Grüezi. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Union démocrate fédérale en raison des élections nationales en Suisse. Le parti a été fondé en 1975 et est dirigé par Daniel Frischknecht. Le parti compte 3000 adhérents et un conseiller national. Créée en 1975, l'Union démocratique fédérale, UDF en allemand Eidgenössische Demokratische Union, en italien Unione Democratica Federale, est un parti politique suisse qui se dit le défenseur des valeurs chrétiennes composé de chrétiens de différentes dénominations. L'UDF s'engage en priorité pour la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle, pour la promotion de la famille traditionnelle, pour des finances publiques saines et pour une politique de la drogue qui vise à l'abstinence. Lors de sa création, le parti est composé d'anciens membres de l'extrême droite, provenant du mouvement républicain et notamment des démocrates suisses des cantons de Berne, Zurich et Vaud, en outre des militants anticatholiques du parti évangélique bernois qui trouvaient le parti évangélique trop au centre, voire au centre-gauche, sur des questions relatives à la société ou à l'environnement, qui participent à la création du mouvement. Le parti, par rapport à ses positions, se rapproche du parti politique réformé néerlandais CGP. Le parti se situe à la droite de l'échiquier politique. Il prône des valeurs telles que le fondamentalisme chrétien, la droite chrétienne, le populisme de droite, le national-conservatisme et l'euroscepticisme.